Bonsoir, donc voilà, chapitre 8. J'ai déjà fait une fois le chapitre. J'ai déjà fait une fois en fait, j'ai préféré recommencer parce que j'ai eu un léger souci, on dirait un souci technique. J'avais le chat qui était couché sur la chaise à côté, puis il y a le câble du micro. Et en fait, il y a sa queue qui tapait contre le câble. Et ça faisait ça, on t'entendait très très souvent. Enfin, t'entendais surtout tout le long de la vidéo, t'entendais ça. Je sais pas si je vais réussir à le reproduire, mais t'entendais à peu près ça. Du coup, c'était tellement chiant à éditer que merde quoi. Je me dis, je refais la partie. Donc dans ce chapitre, on peut choper deux sur trois de parties d'une très très. Enfin, pour moi personnellement, je sais que c'est d'être l'une des armes les moins appréciées par les joueurs dans ce jeu, mais c'est une de mes armes favorites. C'est ma deuxième arme favorite. On peut choper deux sur trois des parties de cette arme. Je vais vous montrer où elles sont. Alors je sais qu'une des parties normalement tu l'as automatiquement pendant un fight, et l'une des parties, la deuxième partie est bien cachée, très bien cachée. La troisième partie, bon, on la chopera dans le prochain niveau que je n'ai pas encore fait. Donc le stage en lui-même est assez niveau fight, il est assez difficile. On commence par un fail magnifique, évidemment. Alors là, j'espère que le chat va se calmer un tout petit peu parce qu'il en. Bon, là il s'est couché. J'ai attendu qu'il se calme parce qu'il était. Disons qu'il était un peu excité. C'était pas tellement gérable quoi. Je devais mettre sur pause pendant toutes les 3 secondes pour pas qu'il me démonte, je sais pas, le sac poubelle. D'ailleurs, il faut que je le sorte après. Et tout ça. Donc pour pas qu'il essaie de démonter les. Tout quoi. Tout. Foutre par terre le micro par exemple, il a failli et du coup ben voilà, mais là apparemment il s'est calmé. Donc là cet ennemi est assez putain, je l'ai eu perfect. Waouh, première fois. Bon, je voulais dire qu'en fait il est assez tendu. Là franchement je m'étonne, je l'ai eu perfect. Là je mérite le platinum pur. Mais non mais. Ouais mais merde quoi. Mais merde. Allez, t'es lent le gamin. Sérieux. Donc voilà. Alors donc. Donc là on a rien de spécial, j'ai déjà fait une fois le stage. Franchement, plus je joue à ce jeu, plus je l'apprécie. Voilà. Ah, là on a encore un fight qu'on. Bah, on s'en fout quoi en fait. Ah putain, encore. Cette attaque est tellement classe. Bon, elle est un peu trop. J'aurais bien aimé qu'il laisse le visuel de la faux, mais pas autant gros que ça. C'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. Oh, putain, ça j'ai carrément pas vu. C'est pas ça, non? Ah, oh, je sais plus, tant pis. Et comme j'ai dit, j'ai de la peine avec les combos, il faut délayer. Genre AA, AA, délai, et A. Qu'est-ce que tu veux? Donc là, oh bah, une scène et en boss, magasin, on s'en fout. Une sorte de mini-boss là que je trouve assez tendu. Par contre, là, je pense pas à le battre perfect, ce sera un miracle. Ah, on va aller choper le cristal. Et bah, j'ai eu un laurier, parfait, j'ai pu regagner un tout petit peu de ma vie. Là, il va me dire qu'on peut pas aller. Et que voilà. Et là, il va, tu vois, médicament. Donc là, il y a la boule magique qui descend, hein, évidemment. Ça ressemble à rien. Mais je trouve cet ennemi assez chiant. Bah, ça ressemble pas trop en golem. Bah, c'est pas l'idée que je me fais dans golem. J'aurais peut-être dû attendre un peu avant d'activer ça. Wow. En fait, j'ai vachement de la peine à prévoir ces attaques. Merde, ouais, là par exemple j'essaie de faire le délai. Mais j'ai pas. Putain, je sais pas ce que j'ai avec les comptes ce soir, mais j'arrive beaucoup mieux à les placer que d'habitude.
Wow, je joue mieux que d'habitude ce soir, c'est pas normal. Je vais finir le jeu ce soir parce que je joue bien, mais non. Ouais, il faudra s'attendre à un autre miracle pour les autres parties. Pourquoi j'ai pas joué comme ça dans toutes les parties? Franchement, ça m'aurait pas gêné. Mais vraiment pas, quoi. Alors, il faut juste que je regarde un truc. Ah, mais merde, ça... Putain. Je voulais voir un truc, là, parce que... Alors, normalement... Non, c'est pas là encore. Mais il me semble que... Attendez. Normalement, si vous regardez bien, avant ça, vous aurez... À part avoir gagné en combat, vous aurez... Ah mais attends voir. Non, c'est après, je crois, c'est après. Mais attends voir. Merde, attends. Ouais, bah ouais. Par contre, je sais pas comment je l'ai fait comme ça, d'habitude, j'y arrive jamais. Donc là, il faut que je continue là, normalement, non? Ah mais non, je suis con, moi, je suis con. Je suis con, donc il faut aller là. Faut aller ici. Ah voilà, la première partie de l'arbre, on l'aura. Donc là, il y aura un item. Non, il est pas revenu. J'ai pas compris. Voilà, la première partie de l'arbre, on l'aura quand on aura fait le combat ici. Vous l'aurez automatiquement, c'est pas possible de la louper. Ah non, même pas. Bon, vous l'aurez là en tout cas. Voilà, ah, voilà, là, il y a le combat. Il y a le combat. Vous êtes chiant. Ah, mais oui, il y a eux. Eux sont chiants en fait, ils bustent mes ennemis. Et c'est. Ça gratte le nez. Et c'est lourd, c'est très lourd. Oh! Donc, qui c'est. Ah putain, nom de merde. Allez, c'est un gros poney. Alors ça c'est totalement pompé sur la move this d'Ivy de Soul Calibur, hein, ce qu'il a fait là. Ivy, c'est la bonne chose qu'il soit arrivé à cette saga de Soul Calibur, évidemment. Ce jeu n'a besoin que d'autres que d'un seul personnage, c'est Ivy. Putain alors. Bon, déjà. Voilà. Donc là. Hop là, normalement vous aurez l'item. Bon là comme j'ai déjà fait une fois le stage, il apparaît pas. Mais là normalement vous aurez le disque qui doit apparaître quelque part. La première partie, en tout cas la première partie du disque. Si je me trompe pas, mais bizarre normalement ça doit donner un petit item comme ça. Ah, ça m'étonnerait que je confonde. En tout cas vous pouvez quasiment pas louper la première partie. La deuxième partie de l'arme est très... Mais par contre là je me demande un truc en fait. Est-ce que j'avais vérifié ça? Ah oui, là vous aurez un truc de magie, je crois, pour remplir plus de bords de magie. En tout cas, la première partie du disque, vous pouvez pas le louper, vraiment de faire exprès. C'est la deuxième partie qui est... la deuxième partie, j'ai dû aller voir sur le net parce que j'arrivais absolument pas à la trouver. Donc là, examiner. Là, je crois qu'on peut récupérer un truc pour remplir sa magie, normalement. Il y en aura un deuxième plus loin pour remplir sa... Merde. On pourra remplir sa... Avoir un truc de cœur en plus. En quart en plus. Je vais dire exactement où il est. De toute façon, vous le verrez, c'est un triangle rouge. Et puis c'est pas... Enfin, j'allais dire, c'est pas difficile de le louper, mais j'en ai loupé un, quoi. Sinon c'est un stage que j'aime moyennement, personnellement. Je suis pas trop fan de cette ambiance. Donc là... Là je crois qu'il y a rien de... Il y a rien de particulier. Est-ce que tu pourrais... Action. Faut vraiment être bien placé. Là il faut tourner hein, évidemment. Je pense que là c'est pas trop compliqué. Par contre, si admettons que tu n'aies pas de stick sur ton pad, comment tu fais là. Non mais tu pourrais même pas avancer, je suis con moi. J'étais en train de regarder ce que ça faisait. Attends, ça fait quoi si j'appuie sur en haut?
Oh mais je suis con, c'est les items, putain. Oh mais quel abruti. À moins que ce soit là que vous avez la première partie du disque. On verra bien. Mais vous pouvez pas louper. Soit disons que vous pouvez louper si vous le faites pas, je crois. Vous aurez pas... En fait, qui va apparaître là, normalement. Je suis en train de réfléchir. Ah mais merde, ah oui, il est relou, putain. Enfin, c'est l'ennemi d'avant, sauf qu'il y a plein d'ennemis à la con autour. J'aimerais éliminer les petites merdes. Vraiment, putain, j'étais dans un angle mort. Excuse de sac, mais bon, c'est la vérité. Ah oh, putain. Non mais bizarrement j'ai l'impression de jouer beaucoup mieux que les autres jours ce soir, c'est hallucinant. J'ai l'impression de faire quelque chose, tu vois. J'ai un peu l'impression. Alors... Ce serait un petit peu chiant cette fin de combat, ils auraient directement pu couper ça pour... Ah c'est quoi ça? Non. Non, je pense que le disque c'était dans la partie... Ouais non, c'est avant ça. Je vous dis clairement, la première partie, vous ne pouvez pas la louper. La deuxième partie, par contre, c'est plus dur. Elle se trouve... il faut faire ça. Elle se trouve là derrière. Et vous l'aurez par ici. Vous aurez la deuxième partie du disque. Qui est là. La dernière se trouve dans le stage d'après. Wow. Quoi? Attends, j'ai fait ça ou bien j'ai rêvé? J'ai fait ça ou bien j'ai fait une move que j'ai jamais vue avec la faux. Attendez, normalement j'ai fait ça? Ouais, non, c'était ça. Il y a rien. Bien sûr, tu ne peux pas... Je voulais remonter, en fait. Tu ne peux pas passer par derrière. Et tu reviens là. Voilà, là, normalement, vous aurez la deuxième partie du disque. C'est la plus dure à trouver. Par contre, la dernière, je me rappelle plus où elle se trouve. Ça devrait pas être si difficile. Donc là, on est en petit recyclage de zone, mais c'est pas... J'ai pas envie de dire que c'est gênant, quoi. C'est... Wow, trop... J'ai surestimé la... Ah non, j'ai peut-être fait le truc où il faut tourner en rond. Fais ça. J'ai pas... Je voulais... Ça m'énerve. En fait, là, je voulais... Je sais maintenant pourquoi je fais ça sans faire exprès. C'est un peu lourd. En fait, je voulais faire ça. Attendez, on va laisser finir. Côté explication. Je voulais faire ça, en fait. Et sans faire exprès, des fois, j'appuie parce que ça, c'est B et A directement après. Le saut et A directement. Mais sauf que, souvent, je fais B, A et X en même temps. Je glisse sur le X et ça fait A et X. Voilà, c'était l'explication technique du jour. Et maintenant, je comprends pourquoi je fais ça sans faire exprès. C'est un peu lourd, un tout petit peu lourd. J'ai pas envie de regarder si on peut paramétrer les touches hautes, puisque ça va totalement me fausser. Je vais devoir. Je sais plus où j'en serais. Putain, vous savez que j'ai cru que c'était un item à casser. Bon, en même temps, j'aimerais bien que le gaz soit à casser, hein, ce serait. D'ailleurs, je suis con avec cette arme, il y a une solution plus simple pour ouvrir les coffres. Vous faites juste ça. Voilà, et puis ils sont ouverts. C'est un petit peu bête. Donc là, resserpent. Par contre, je sais que dans ce stage, quand j'ai passé, j'ai dû louper pas mal de trucs. Mais là, bon, ça va, c'est gérable. J'ai pas besoin de fouiller à 100% du stage. Ça, je prends, mais je pense pas qu'on utilisera ça. Ah, tiens, j'avais oublié ce fight. Et j'ai hâte de récupérer la deuxième arme que j'utilise normalement avec la peau. J'ai vraiment, vraiment hâte. Et d'ailleurs, je trouve un peu dommage qu'on ne puisse pas l'avoir dès le début. C'est une arme qui est faible, mais je saurais même plus jouer avec, mais bon. Putain, ça me gratte le pif. Qu'est-ce qui m'a touché, là? Bon, écoutez, oui, il m'énerve, hein. On va accélérer un peu tout ça. Donc là, je sais pas si je ferai une ou deux parties.
Elle me semble assez longue quand même cette partie. Hein. On verra bien, je regarderai à la fin de la vidéo. Dépend tout de cette partie-là et dépend tout de la partie suivante. Mais là, il me semble qu'on va bientôt vers la fin. Mais là, je sais pas si j'ai... Non, j'avais regardé quand j'ai fait le stagiaire. Je suis bien content d'avoir eu ce problème parce que putain, elle était pas terrible la partie d'origine en fait, donc j'y pense. Elle était vraiment pas terrible. Je jouais même tellement mal que j'ai dû rentrer dans le magasin pour acheter des potions. Parce que j'ai carrément cramé... Je sais pas combien de potions... J'ai cramé toutes mes potions sur le cube en fait. Les potions de base évidemment, pas les grosses potions. Celui-là je crois que je l'ai fait, je suis pas sûr. Je sais même pas si je l'ai vu. Ouais, je l'ai fait, ouais, il y a des fils relevés. Celui-là je l'avais fait. Je crois qu'il doit en avoir d'autres. Donc là on a un espèce d'event à la con. Alors j'aime bien le gars, il saute en bas, tu sais. C'est facile. En mode hard, c'est un peu plus difficile. Il faut rester collé à peu près comme ça, je crois. Sinon, le truc me touche. Obligatoirement, si tu restes collé à gauche. Là, évidemment, tu l'affrontes pas. Là, tu t'attends. Non, tu vas affronter la main. C'est peut-être le platine pur le plus simple du jeu, si vous voulez savoir. Et le boss. Ouais, ça, je crois que c'est le boss. Après, il n'y a plus grand chose à faire. Il est assez lourd, hein. C'est le Lego. Je crois que j'avais... Bon, je crois que je me concentre un peu. Fuck. Mais non. Oh putain, pourquoi j'ai... Wow. La baisse de framerate, là, c'était mon PC qui a dû faire un truc. Hein. Là, ça venait pas du jeu, c'était vraiment le PC qui a fait une petite... une crise. Peut-être Windows Update, en fait. Bien l'antivirus, et merde. Donc du coup, je crois qu'on va arriver à la fin, là, tout de suite. On va arriver à la fin. On va arriver à la fin, on aura ce passage là. Et là, le cœur en fait, vous pourrez avoir un cœur qui est juste. Normalement, un peu avant ou dans cette phase là. En fait, vous voyez, c'est un cristal rouge et vous aurez un cœur dedans. Voilà. Donc c'est la fin de ce stage. Moi je vais regarder s'il n'y a pas l'antivirus qui s'est déclenché. À combien de temps j'en suis vidéo si j'enchaîne tout de suite une autre partie? Voilà. Donc, soit bonne soirée, ou soit, ben, tout de suite.